Le tennis club de Saint-Joseph organise du 4 au 23 avril la 30e édition de son Open jeunes et adultes. La marraine de cette manifestation est Lisette Saint-Louis. Salut, je suis Lisette Saint-Louis, la marraine du tournoi. Pourquoi avez-vous accepté d'être la marraine de ce tournoi, Lisette? Bon, j'ai accepté parce que d'abord, je suis une passionnée de tennis. J'ai pris ma première licence au club de Saint-Joseph et j'y suis encore. J'ai participé à plusieurs tournois sous les couleurs de mon club de Saint-Joseph. J'ai été membre du conseil d'administration, du bureau de Saint-Joseph. J'ai été aussi capitaine de l'équipe féminine de Saint-Joseph. Et lorsqu'on m'a demandé d'être la marraine du tournoi, bon, j'ai été très honorée quand même. Hein. Et ensuite, maintenant, je suis ravie hein, d'être la marraine du tournoi. Vous avez foulé également le tennis club de Roland-Garros également. Ah oui, alors grâce à mes victoires en championnat de la Martinique de ma catégorie, donc j'ai représenté la Ligue de la Martinique dans la catégorie des 50 ans. Alors je suis allée en 2006 et en 2015 si mes souvenirs sont exacts. C'était une belle expérience pour vous? Ah oui. Être sur les cours comme les grands champions, donc ça vous apporte plein d'émotions. Mais avant Roland-Garros, j'ai quand même été à la Nesty Cup. Je ne sais pas si vous connaissez la Nesty Cup. La Nesty Cup, c'est le championnat national amateur qui réunit tous les champions. Les champions des ligues. Lorsque moi j'y suis allée, j'étais non classée. Et j'ai beaucoup apprécié ce tournoi parce que dans chaque tableau réunissait des joueurs de même catégorie, de même classement. Donc ça a été une très belle expérience aussi. Et ça a été ma première participation à des championnats nationaux. Vous avez également une fille qui a participé à différents tournois également, qui est maintenant, qui vole de ses propres ailes, mais elle a débuté également ici au tennis club de Saint-Joseph. Ah oui, ma fille Audrey, elle a commencé ici au club de Saint-Joseph avant d'intégrer les cours de la ligue. Ensuite, elle a quand même, elle est partie au Lamantin, hein, au Lamantin aussi, mais elle a gagné beaucoup de titres aussi, et elle a aussi participé à plein de tournois à Roland-Garros. Voilà, et elle a fini avec un très bon classement, elle était 4-6, alors que moi, je n'ai pas passé les 31. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter aux participants de cette 30e édition? Le tournoi est déjà bien engagé. Alors je souhaite à tous ceux qui se sont bien préparés de remporter la victoire, tout simplement. Merci.